Octobre rose, c'est chaque année le mois consacré à la sensibilisation et à la prévention du cancer du sein. Une maladie de mieux en mieux soignée, même si le dépistage stagne. À Blois, la polyclinique pratique le système de double lecture, un système qui a permis de détecter 9 cas de cancer qui n'avaient pas été diagnostiqués la première fois. Bérénice Dufailly avec Jamel Mouaki. On appelle cela la double lecture. Les clichés que l'on voit sur cet écran ont tous déjà été analysés par un premier radiologue. Mais pour éviter toute erreur de diagnostic, les radios sont revues par un deuxième médecin. Mon rôle va être de screener l'ensemble de la mammographie pour ces anomalies de densité et ensuite de regarder plus finement avec la loupe pour rechercher les fameuses microcalcifications dont je vous parlais tout à l'heure, pour voir si je suis capable de voir les microcalcifications et si oui, automatiquement me transposer sur la précédente pour voir si elles existaient. Ces calcifications sont là, elles existaient la fois précédente, donc ça n'attire pas mon attention. Car tout se joue au millimètre près. Et un deuxième œil averti évite bien des drames. En Loire-et-Cher, 17 000 femmes se sont faites dépister. Et grâce à la seconde lecture, 9 cas de cancer ont été détectés. Chaque radiologue en fait, a sa sensibilité pour diagnostiquer un éventuel cancer du sein sur une mammographie. C'est-à-dire qu'il va s'attacher aux différents critères qui sont des densités, des anomalies de la structure du sein ou des microcalcifications. Et donc il va avoir sa grille de lecture. L'autre radiologue va avoir un abord différent. Donc on va pouvoir diagnostiquer un cancer du sein sur quelques anomalies qui font 50 microns. Une mammographie est une grande surface à lire. Donc dans la grille de lecture, on peut passer à côté d'une petite image. Après 50 ans, le dépistage est donc essentiel. Une femme sur 8 est actuellement touchée par le cancer du sein, principale cause de mortalité entre 35 et 65 ans.